Et YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la cinquième partie de notre Let's Play. Je voulais encore vous remercier à tous pour vos pouces bleus, vos vues, tout ça. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode notre ami... comment il s'appelait déjà ce gars? Je sais plus, mais il est mort. Il s'est fait fracasser la tête. Et là... Là, faut qu'on en parle à Juan. Je sais pas où Juan il est. Ah, il est giga loin, Juan. Juan, il est là, quoi. Ok. Mais là, on n'a pas tout visité, en fait. Pas. C'est moi que... Je sais pas où est-ce qu'il est, Juan. Ah. Ah, Juan, t'es là. Danny, de retour pour répandre le chaos? Tu veux que je te fabrique les meilleurs Supremos et que je te bricole des armes? Alors j'ai besoin d'uranium appauvri. Ok. T'as de la chance. Castillo a planqué ses réserves près des plus grosses armes de l'île. Ces canons anti-aériens. Ok. Quand t'auras trouvé de l'uranium, rapporte-le à mon bureau. Ou à un de mes associés. Si tu captures une base des FND, tu verras débarquer l'un de mes contacts, qui te donnera accès à mon inventaire. Et n'oublie pas, le grade apporte certains privilèges. Logique. Quand Clara aura eu la gentillesse de te promouvoir, on pourra te filer de meilleurs équipements. À condition d'y mettre les pesos, bien sûr. Eh, même en pleine révolution... Rien n'est gratuit. Bah ouais, mais bon. Je vais te donner un petit conseil entre guerrieros. Amuse-toi un peu, putain. Quitte à crever, autant rigoler. T'es pas obligé d'être vulgaire, en fait. Tu reviendras. Ils reviennent toujours. Ah, parce que bon. Là, tu t'insultes tout le monde, là. Supremo de discrétion génère une impulsion IUM qui renverse vos ennemis, neutralise les systèmes de sécurité et vous permet de détourner un véhicule. Sème le chaos projetant du gaz toxique sur les champs de bataille pour que vos ennemis se retournent contre leurs alliés. Génère une explosion circulaire qui brûle les ennemis. Appuyez sur sauter dans les airs pour vous propulser en avant. Qui peut absorber une quantité normale de dégâts. Les projectiles sont éjectés à une vitesse standard. Ouais, ça a l'air pas mal ça. Les projectiles transpercent les ennemis. On est où là? On peut voir ça? Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais, t'es comme ça, Ron. Ok, mon ref, très bien. On va récupérer hein, tout ce qu'on peut récupérer. Hein. Hop, l'essence, tout ça, on récupère. Je fais un truc, là, je sais pas ce que c'est. Ça me dit qu'il y a un coffre ou je sais pas quoi là. Là-dessus. Comment on va là-haut, là? Lettre adressée pour Julio. Ah, c'est Julio qui est mort. Voilà. Merci cette lettre. Julio, je pars à Esperanza pour dire au revoir à mes crétins d'amis. Ils le font enfin. Ils fuient hier. Il n'y aura plus que toi et moi après. Combien de ces lettres avons-nous laissé pour les autres? Tu ferais mieux de les garder. Quand nous serons gras et vieux, nous pourrons nous rappeler à quel point nous étions bêtes. La dernière que je saisais, tu disais que ce n'était pas qu'un truc d'un soir. Deux êtres solitaires faisant ce que font les êtres solitaires. Je n'en pensais pas un mot. C'est pareil pour la deuxième, la troisième et la quatrième. J'aurais dû le savoir, je ne pouvais pas rester loin de toi. Je t'aimerais toujours, Julio. C'est vrai, Tita. C'est beau.
c'est beau, c'est beau. Plaque militaire américaine breloque. Ok. Il y a des trucs à faire sur cette île là? Je pense pas. Hein. Putain, j'ai les vaches qui me grattent les yeux, c'est terrible. De retour à Santuario, ramenez toutes les armes, les balles et des recrues aussi. Castillo est surpris, il faut garder l'avantage. Bienvenue chez Libertad, Danny. J'ai pas dit que je restais, qu'est-ce qui presse? Tu m'inspires. Libérons Ira, ok? Castillo contrôle tout Yara grâce aux soldats, aux esclaves et à la violence. La capitale est sa forteresse. Si on prend Esperanza, on libère Yara. Le meilleur moyen d'affaiblir Castillo, c'est de toucher un maximum de bases des FND et des postes de contrôle. Mais surtout, nous devons encercler Esperanza et prendre Castillo à son propre piège. Nous devons mener des opérations ciblées pour unir la révolution et renforcer Libertad. Pour ça, il faut que je recrute 3 groupes de Yara pour se battre aux côtés de Libertad. Chacun d'eux sème le chaos dans une partie de l'Empire de Castillo contrôlée par son cercle proche. À LST, les crevards d'envahisseurs comme McKay Industries siphonnent nos ressources. Et l'amiral Benitez défend le trésor toxique de Castillo. Mais les légendes de 67 peuvent nous aider. Ils se planquent dans la jungle sur les plus hautes montagnes de Yara. El Tigre, leur plus grand guerriero, t'attend à bras ouverts pour t'aider et les rallier à notre cause. Et puis il y a Bahia de Oro, le centre des opérations de Castillo pour le Viviro, mais aussi celui de sa propagande, dirigé par sa ministre de la Culture, Maria Marquesa. J'ai de vieux amis qui peuvent s'occuper de notre campagne anti-propagande, les Maximas Matanzas. Ils ont été les voix de la contestation et peuvent convaincre les dissidents d'Iara de se battre pour Libertad. Ils ont disparu. On les a vus pour la dernière fois dans un fort de Balaceras. Nous devons les retrouver avant les forces de Castillo. À Madrugada se trouve le neveu de Castillo, José, un esclavagiste qui force les parias à cultiver du tabac empoisonné pour faire du viviro. La famille Montero se rebelle contre José. Il déteste les visiteurs. Mais j'ai des infos sur un mécano qui a un atelier à Costa del Mar. Il s'appelle Fili Barzaga. C'est leur point de contact. Si j'étais toi, je commencerais par Madrugada. Si on reprend le tabac avec l'aide des Montero, on détruit le viviro de Castillo à sa source. Tu n'as qu'à trouver Fili le mécanicien. Je serai là à orchestrer des frappes ciblées de Libertad contre Castillo à travers Yara. Attends, c'est à moi de convaincre tous ces groupes de rejoindre Libertad? Comment? Facile. Tu les aides, comme tu peux. J'ai l'impression que je me fais avoir dans cette affaire quand même, hein. C'est encore moi qui dois tout faire, quoi. J'envoie des troupes à ces groupes, c'est une invasion. J'envoie un éclaireur, je suis une naze. Mais avec toi, il n'y a pas de politique, ni quoi que ce soit. Tu m'aides. Libertad prend la capitale, on égorge Anton, on peut boire son sang, etc, etc. Danny, viens voir. Viva Libertad, Refa. Ouais, ouais. Je suis pas le meilleur guerriero de Clara, c'est toi. T'as pas fait attention. Traduction, Juan. Son accent. Clara essaye de le cacher, mais elle est née parmi les riches. Elle a abandonné sa famille de Vrayaran. Elle aura beau flinguer, saigner et boire avec nous, l'odeur de la bourgeoisie lui collera toujours à la peau. C'est quoi le rapport avec moi? T'as pas de parents, Danny. T'es pauvre. T'as que dalle. Quand on te voit, on pense pas politique. Aucune excuse pour te jeter. Elle se sert de moi. Si. Et en retour, tu te sers d'elle. Tu veux descendre Anton? Oui. Tu veux libérer Yara? Bien sûr. Mais il y a un truc que Clara osera pas dire, et qu'on sait tous les deux. T'adores ça. Tu rêves de révolte. Et pour les gens comme toi, les tripes nouées lors des embuscades, l'odeur du soufre qui brûle les narines, C'est fun. T'en fais pas. Ton secret est en sécurité.
Ok. Donc, si j'ai bien tout compris, qu'on a rencontré des Maximas Matanzas. Rencontre avec les légendes de 67 ou je sais pas quoi là. Et enfin, rencontre avec les Monteros. C'est qui appelle là? Du contenu additionnel est maintenant disponible. Tout le contenu supplémentaire que vous avez acheté est désormais débloqué. Vous pouvez y accéder sur le menu Arsenal, Amigo, Bolide et points de collecte de véhicules. C'est ça qui sonne comme ça? Ah ouais. Ok, donc ça c'est bon. Eh ben écoutez, on va aller rencontrer les Maximas Matanzas, je sais pas quoi. Allez. Conduire. Désolé, je peux pas t'emmener, amigo. T'inquiète, il sait nager. Bien d'accord, hein, c'est bien ça qu'il faut aller, hein. Ouais, c'est ça. Arsenal. Ok, on peut faire plusieurs trucs. Dis, je vais mettre ça pour voir. C'est par quoi? J'ai pas la tête de parcours. Hein. Donc attends, ça fait quoi? Augmente la récupération de l'endurance. Augmente considérablement la vitesse de déplacement après une glissade. Augmente la vitesse de déplacement lorsque vous rechargez. Ok. Et ça, augmente la vitesse de déplacement lorsque votre arme est rangée. Merde, j'ai pas tout vu là. Bolide. C'est rigolo. On peut allumer des armures et tout. Ouais. Putain, il y a masse de trucs, hein. Collection. Ok, très bien. Moi, je passe vite, hein. Je veux juste cliquer de machin. Ça me stresse là qu'il y a des trucs jaunes là. Ça c'est bon. Tac 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 tac. Il reste plus que le journal. Rencontre avec les Monteros, rencontre avec les légendes. Les Maximas Matanzas. Je crois qu'elle m'a dit qu'il fallait commencer avec les Monteros. Hein. Il fallait rencontrer Philly, donc on va faire ça. On va aller rencontrer Philly, puis voilà. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end. Parce que normalement cette vidéo sort un lundi, donc normalement vous avez passé un bon week-end normalement. Enfin j'espère. Danny, écoute Juan. Je vais vous raconter après moi. Ils ont un entraînement spécial et sont lourdement armés. Fais le malin. Mais c'est bien ça. Au moins t'es prévenu. Ça marche. Ouais, je me disais. Normalement, si je me trompe pas, cette vidéo sort samedi 1er, dimanche 2, lundi 3. Elle sort lundi 3 juillet normalement, cette vidéo. Et moi je peux vous assurer que j'ai passé un bon week-end. C'est pas encore hein, si j'ai passé un bon week-end, mais je suis sûr. Parce que c'était mon anniversaire, donc voilà. Pour ceux que ça intéresse. C'était mon anniversaire vendredi, le 30. Ça fait bizarre de parler de soi au futur dans le passé. Ok. Génial. T'inquiète pas, Philly pourra t'aider. C'est ton contact. Il est dans son atelier près de l'aérodrome Martinez. Ok.
C'est dur de lutter. Oui, mais ça en vaut la peine. Bonne chance, Danny. Ok. Bon, j'arrête de vous raconter ma vie. On retourne au gameplay un petit peu. Oh, je tire dedans et... Il est en mode... c'est pas grave. L'autre, je tire dedans quand même, il est en mode tranquille. En vrai, il est vraiment pas mal, hein, ce petit gun. Danny, des fermiers sont... Oui. Doucement. Bah, raconte-moi... Camarade. Oui. On m'a dit où trouver un site anti-aérien. Je le marque sur ta carte pour que tu le détruises. Ok, merci mon ref. Allez, allez. Merci beaucoup. C'est pas très long en plus, on pourrait y aller. Hein. Comme ça au moins on avance un peu, on découvre un peu la map. Je pense qu'il faut y aller. Hein. Nouveau coin de pêche révélé. Coin de pêche au scalaire. Salut. Les gars, vous me connaissez. Ça va finir en coin de pêche, ça. Désolé, hein, mais j'aime bien les chiens, mais je suis obligé. J'ai pas le choix. Parce que sinon... Alors... Oh. Faut pas t'accrocher mon ref là. Apparemment non. Monter là. Donc faut absolument y aller depuis là-haut. On va monter tout là-haut là. Là-haut. Si on peut. Si j'arrive à monter là-haut là. Passer de là à là. Station météo de Cortina, cible militaire. Oh là, attendez, deux minutes. Il y a trop de trucs là. Là, il y a trop de trucs. Deux minutes. Là, je vais aller là, passer de l'autre côté. Chaque fois, je me trompe entre... Entre R3 et rond pour faire des coups de quête, là. Blouson d'opportuniste. Ah, qu'est-ce que c'est, blouson d'opportuniste? Pouvoir aller en bas chercher un coffre. Oh, magnifique le jeu. L'autre coffre, il est où l'autre coffre là? Sur la droite. Par là. Pas grimper là-haut là?
que du coup c'est là? Oh vas-y, c'est grave. C'est grave mon niveau pour ça. Là si le moteur est bon, il va encore remettre des bonhommes qui font ça hein, à ce moment-là. Ça fait beaucoup là, non? Bon, je fais genre, mais le monteur c'est moi donc ça va. Normalement, j'ai réussi à le faire le dernier coup. Normalement. Si tout se passe bien, vous avez dû le voir. Ok. Hey, toi. Ouais. Oui, toi. Qu'est-ce que tu peux me dire? Largage en approche, Danny. Et il arrive vite. Atteins-le avant l'armée et récupère-le pour la cause. Gracias. Ouais, alors attends, parce que... Là, j'ai un problème, mon pote. Des problèmes plus urgents, en fait. Parce que la cause, c'est bien, mais... Moi, j'ai des problèmes plus urgents, quand même. Que je récupère un coffre, là-bas, là. Non ! S'en fout, on n'abandonnera pas. Je vous le dis. Donc s'il faut faire un cut jusqu'à ce que j'y arrive, on va faire un cut. Hein. Y'a pas de problème. Hein. Hop. Lui il est mort. Wesh, il met trop de temps à déployer son parachute, le con. Il met 40 heures à déployer son parachute, l'abruti bête. Bon. Dernière fois. Voilà, je vous mets. Est-ce que ça va m'énerver? Oh merde, ses cheveux, ça. Allez, on va y arriver. Je crois en moi et en mes capacités. Comme dirait The Rugby, tu es capable du meilleur. Ouais, c'est trop grave. En fait, je pouvais monter comme ça, en fait. Oh non, il était que je suis. Oh, c'est terrible. Tout ça pour ça. Hein. Oh, quel débile. Non, c'est grave. Hein. Il tire sur quoi le frérot là-haut là? Tout ça comme ça là. Ouais, motivé toi. Après il y a un coffre là, on peut aller chercher le coffre qui est là. On va chercher ça. On libère la base, on libère ça, et on va à la mission. C'est le plan de gameplay original. Je vais essayer de vous tourner aussi des vidéos sur... sur Final Fantasy XVI. Il faudrait que j'arrive à trouver le temps pour vous faire ça. Alors, comment on va chercher ça?
on a un amorti. Hop. Je suis sûr d'opportuniste. Ah, qu'est-ce que c'est ça, le set opportuniste? On augmente la quantité de matériaux de fabrication récupérés. Ouais, est-ce que j'ai envie de ça? Je suis pas sûr. En vrai, je vais les mettre parce qu'elle me donne plus d'armure, donc ça, je vais mettre. Ça, je suis tout niveau 2. Et c'est pas mal, ça. En vrai, est-ce que je peux remonter? Je peux pas reprendre les tyroliennes dans le sens. Je peux prendre là. Ok. Ok. Faire ça comme ça. Ça, je cours plus vite quand j'ai pas d'armes, on va en profiter. Salut, prêt à te battre pour Yara ? Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Cible militaire proche. Je me demande ce qui se passerait si ces bêtes s'échappaient. Je pense que ça foutrait le bordel. Ils ont pas l'air d'être beaucoup. Pour l'instant, du moins. Okay. Cette caméra doit disparaître. Je sais pas comment on pirate ça à distance. Du coup, elle va attaquer les gens. Elle s'est déjà fait exploser là. Je ne sais pas. On va y aller à... On va y aller comme d'hab. Hé hey Clara, est-ce que tu sais pourquoi l'armée réquisitionnerait une station météo? Tu es côté ouest, c'est ça? Moi aussi, cet endroit m'intrigue. Essaie de trouver un ordinateur. Ils gardent forcément une trace de leurs activités. Ok, je vais inspecter les lieux. Ta mère, je me suis trompé de touche. Quoi, tu restes là, s'il te plaît. Sinon, tu vas m'emmerder encore. J'ai intérêt à me méfier. Je suis repéré à mon avis.
suis pas repéré, c'est pas normal. Je sais pas... Où est l'alarme? Comment ça, cette merde est encore là? T'es pris pour qui, toi, mon ref? Et comme ça aux gens. Non. Vas-y, viens toi. Une clé, c'est pour moi. Binga. Oh là là. La dinguerie. Ils sont popos, hein. Full discrétion. Je suis vraiment le boss. Aucune alarme déclenchée. C'est vrai que je suis quand même assez discret comme gars. Je pense que personne ne s'est douté un seul instant que... Bah que j'étais là-dedans, quoi. Je pense que j'étais full discret, hein. Vous pouvez pas être plus discret que moi, je pense. Celui-là qui me dit que je mens, bah c'est un menteur. Ok, merci pour ça. Comment ça, il y a un truc là? Là? Hein? Je sais qu'il y en a qui veulent plus d'histoire de jeu, tout ça, mais c'est le jeu, hein, il faut faire un peu de quête annexe, tout ça. Oh, pas mal ça. Médicaments. Ah, sac Louis Vuitton. C'est beau ça. Ok, encore des médicaments. Oh, je me suis mis Gucci là en vrai. Outre canon, yes. Je vais pouvoir modifier mon sniper là. Oh, le bonheur. Je vais pouvoir mettre un vrai viseur là. Ah, le bonheur à l'état pur. Carte d'accès au bunker. Ah, je pense que j'y étais déjà. Je pense que si on n'avait pas récupéré la clé sur le garde, on l'aurait récupéré là, je pense. Ok, des petits médocs. Encore des petits médocs. On va être bien là niveau médoc. Mais non, t'inquiète. T'inquiète pas, madame, il est gentil. Des petits médocs. Ah, vraiment, genre, on va être refait niveau médicaments là. Hmm.
Service des armes désarmées. Objet, vol de bananes. On m'a signalé que quelqu'un nous volait de grosses quantités de bananes. Selon le dernier rapport, il s'agirait d'une guérilla un peu folle, prénommée Monica. Mais l'information n'a pas été confirmée. Dans tous les cas, essayez de découvrir qui vole nos bananes. Et si vous mettez la main sur le ou la coupable, mettez fin à ces activités illégales en utilisant la force nécessaire. Suavez, G, CPT. Caporal, c'est quoi CPT? CPT? Aucune idée. Je sais pas ce que ça veut dire. Hop, on va aller là. Salut. Salut le bug. Qu'est-ce que t'as pour moi, Danny? Dis-moi tout. On va tendre une embuscade au FND. Ok. Mais on a besoin de l'artillerie lourde. On a besoin de toi. Merci bien. Tendre une embuscade, nouvelle cible révélée. Ok. On fera ça plus tard, hein, tout ce qui est embuscade, tout ça. Rien là-dedans. Pas d'affiche, rien. On va aller démonter le truc là-bas, là. Ça dégage. Ah merde, j'aurais dû changer mon sniper pendant que j'étais là. Allez, allez. Gracias, mija. Pas de quoi. T'as rien, mon ref. Tu peux y aller. Lui, je le libère. La première chose qu'il pense à faire, c'est de récupérer une arme, quoi. Ok. Oh, ça l'a pas tué. Bah du coup, comment on pète ça là? Attends deux secondes, parce que toi tu voles dans mes oreilles là. J'ai pas de bazooka, on est d'accord. Non, j'ai pas de bazooka. Pas éteindre la musique là. Pas mal qui ferme sa bouche lui. Qui te fabrique des supramos, Danny? Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu racontes, bordel? Il paraît que l'uranium est en train de te trouver les poches. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Tu aimes plus mes supramos et mes bricolages d'armes? Bien sûr que si. J'ai du boulot, c'est tout. Ah, c'est vu que ça ferme sa bouche, ce machin. Je sais pas si je peux le péter, ce machin, en vrai. Attends, meuf, tu vois pas que j'essaye de péter le bordel, là? Comment faire? Éradique le cancer de la pauvreté socialiste.
Ah, on peut pas utiliser un canon, je sais pas quoi, y a pas un truc là. Ah mais ça va tirer dans ce sens là. Je pense qu'il va falloir faire un cut. Tu vas devoir marcher, Guapo. Comment que je prenne ça? Ne vous inquiétez pas, ceci est réalisé par un professionnel. Est-ce qu'elle va exploser la machine? C'est ça le truc. Ceci est réalisé par un professionnel, ne reproduisez pas ça chez vous. Yes! Laisse Guapo tranquille, toi. Des choses, hein. Bon, voilà, ça c'est bon. Son cousson, on est... Les machins. Bon, bref. Ça, c'est bon. Je sais pas si j'ai tout récupéré en vrai là-dedans. C'est vrai, je suis pas venu là-dedans. Ça, c'est pas une porte. Ok, oui, il y avait rien. Il y avait rien du tout. Anton Castillo. On fout lui avec son viviro. Quand on va arriver à la fin du let's play, on va être en mode... Finalement, le Viviro, c'est pas si mal, hein. Oh, c'est sûr, hein. C'est sûr, hein. Ta-da-da-da-da. Ah, laisse-moi tranquille, toi, le croco, là. Ça, c'est genre des mines, ça? Arrête! C'est pas tranquille, toi. Et du coup, ça, c'est genre des mines? C'est genre des mines. Ok. Bordel! Pas s'approcher de ça, du coup. J'avais peur de, que ça soit des mines, et finalement, bah, c'est bien des mines. Très bien. Chasse au trésor révélée. Qu'est-ce que c'est la chasse au trésor?
Bonjour. Comment ça va? Danny, un convoi circule près de la crête de Lanza Saltas. Ok. Ces ressources nous seraient bien utiles. Merci. Très bien. Ça, comme j'ai dit tout à l'heure, on fera ça plus tard. Tout ce qui est convoi, tout ça, tout ça. Grand prix. Nouveau grand prix révélé. Bonjour. Salut. Enchanté. Allô? Amigos, j'ai réussi, je l'ai attrapé. Elle me harcèle depuis trop longtemps. J'ai surélevé ma maison sur des pilotis, j'ai érigé une clôture, mais rien ne l'arrête. Mais j'ai enfin réussi. N'approchez pas de ma maison. Je suis allé chercher de l'essence chez Louis. Je vais lui régler son compte une bonne fois pour toutes. C'est peut-être une mangousse, mais pour moi, elle sera toujours la belette. Alvaro. Et toi, Yami? J'ai trouvé ton numéro sur une affiche pour des courses. Oh, si t'aimes faire la course, t'appelles le bon numéro. On se la fait en mode guérilla. Chaque parcours est balisé par des fusées éclairantes. Il faut essayer de battre le meilleur temps. Ça te tente? Et comment que ça me tente? Bah ouais, carrément. C'est le démon de la course qui parle. Je t'aime déjà. Bonne chance. L'avertissement à peine lisible. Ne laissez pas vos enfants escalader la clôture. Danger de mort. Je suis pas un enfant. Ok. Je sais pas de quoi je dois avoir peur, mais un artisan Yaran porté au nu. La plus en vue dans le monde de l'art contemporain de Yara. Son œuvre la plus récente, Léon, a reçu les éloges des critiques du monde entier et notre président Espinosa qui a pu admirer la sculpture samedi lors d'une présentation publique. Mais tout n'a pas toujours été rose pour le seigneur Zayas. Notre enquête a montré qu'il susciter des divisions dans le monde de l'art Yaran. Une source anonyme le qualifiant de vendu et de pantin de la propagande. Certains expliquent que les relations tendues de cette star montante avec son ex-femme ont entraîné une forte consommation d'alcool et une dépression. Et bah, gageons qu'il saura se ressaisir et prouver à ses détracteurs qu'ils avaient tort. C'est beau. C'est pas ce que tu me proposes là. Mais j'ai pas compris ce que je devais chercher là-dedans. C'était quoi ce bruit? Ça doit venir de la réserve. 100% il y a une bête là-dedans. Merde! Stop! Reviens ici! Ton règne de terreur est terminé, la mangouste. Et merci pour la clé. Ça, je vais te dégommer une mangouste, quoi. Comme d'autres, il va y avoir un coffre ou un truc. Reclater ça. Là. J'en ai marre de cet endroit. Et des mangoustes. Et des mangoustes. Du coup, on a gagné quoi là? Dose mortelle, pistolet. Plus de précision, plus de discrétion, plus de maniement. Et moins de dégâts, moins de vélocité. Lorsque vous rechargez cette arme, vous rechargez toutes les armes. Ah, non, c'est pas mal. Tu arrêtes. Bon allez, fin de la discrétion. Il faut aller à l'objectif quand même, parce que bon. Viva Clara, pareil. Ta-da-da-da-da.
Ça va. Pas besoin de souffler comme ça. Pili lo resulve. Resulve. Je sais pas comment dire. Je sais pas parler espagnol. Ça doit être resulve. Des V, c'est pas des B. Qui peut bien travailler dans un endroit pareil? Je crois. J'en sais rien en fait. Ah. T'es Fili? Moi c'est Danny. Non, il n'y a pas de Fili ici. Ouais, il y a quoi dans ton sac? Tu sais où il est? Bière. Qui commande ici? On peut tout faire avec ces petits trucs. Tu peux venir une seconde? Viens là, s'il te plaît. Tu veux bien appuyer sur ce machin là? Interrupteur piégé. Tu lâches et... Alors, pourquoi t'es là? Je collabore avec Clara, de Libertad, ça te dit rien? Clara, Libertad! T'envoies du lourd avec ces noms. Chorizo! Mais elle est pas là, Clara. Y'a que toi, personne d'autre. Alors, explique-moi. T'as une famille à sauver? Des gamins? Non. Alors dans ce cas, tu veux quoi? D'abord, je veux enlever mon doigt de ce truc et savoir qui va m'aider à descendre Castillo. Ok. T'es libre. C'est toi la vedette de Clara, hein? J'ai rien d'une vedette. Ouais, ça a marché, ça a marché. Magic Philippe, bébé. Tu veux qu'on aide Libertad? Trouve Carlos Montero. C'est notre rock. Sa famille nous sauvera tous. Génial. Mène-moi à lui. Non. D'abord, c'est à Philly que tu dois plaire. Ensuite, tu devras plaire à Baby Montero. Baby Montero? C'est là. Allez, Chorizo, on y va. La Espada, sa fille. Aux dernières nouvelles, elle s'en est prise à la plantation des Parias, à l'est d'ici. Si tu lui plais, c'est gagné. Mais pour la trouver, bonne chance. Espada! Ouah, c'est une panthère. Oh, la prochaine fois qu'on se verra, tu me laisseras jouer avec ton sac à dos de malade? Non. Dans ce cas, fais bien gaffe au gaz toxique. Putain, quel comédien. Magic Philly, baby. Allez, on fouille là. Et on va arrêter la vidéo. La VOD là-dessus. Bon, on n'aura pas fait grand chose, hein, mais... on a fait 2-3 trucs secondaires, c'est cool. Petite chasse au trésor. Baignette interdite. L'accès à la grotte Blue Hole est interdit à tous les baigneurs, quel que soit leur âge et leur expérience. Même si vous pensez pouvoir retenir votre souffle, ne le faites pas. Chasse au trésor. Est-ce que c'est ça? Rapport de reconnaissance d'étonnement de matos. Certains soldats ont laissé entendre qu'ils ont... Ils attendaient un ravitaillement militaire pas loin d'ici. Dépêche-toi si tu veux arriver à temps, camarade, ça en vaut la peine. Parole d'éclaireur. Attaque, pile, distribue. N'oublie pas de remercier la dame et ses fidèles. Cavalier. Ah, quand même. Il y a des gens, ils sont matriciens, quand même. Tac. Tututuk. Hop. Viseur, parce que là ça va pas avec ça, avec ce viseur là de con. Hein. Grossissement optique 4 à moyenne portée avec une cible de précision. Ça c'est quoi? 8. 8 ou 4? Ouais, 8 hein. Voilà, comme ça au moins je peux mettre des trucs comme ça. Silencieux américain. Réduit légèrement le bruit de l'arme, réduit légèrement sa portée effective, surchauffe très rapidement. Oh,
vache, j'ai encore moins de... moins de vélocité. Écoute, on va mettre un... on va mettre un américain. Ah! Ça, c'est un sniper. Et boum, je pourrais tirer là. Ok. Messieurs, dames, je vous souhaite à tous de passer une agréable soirée, journée. Je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Elle sort à 18h, donc une heure. Avec le montage, tout ça. Et on va dire que la vidéo va faire une heure. Donc je suppose que on va dire une agréable soirée. Hein? Allez, salut YouTube, à la prochaine.